du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous toujours le confort de sa présence par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Tu regardes la pelle dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas. Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, « Laisse-moi enlever la pelle de ton œil alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi. » Hypocrite, enlevez d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la pelle qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles du Christ, aujourd'hui, lundi 26 juin, nous sommes en voyage vers le monde décrit dans l'évangile, dans la lecture de l'évangile d'aujourd'hui. Un monde sans préjugés, un monde où nous ne sommes pas prompts à juger et un monde où nous nous respectons les uns les autres comme des frères et sœurs. La façon dont nous jugeons les autres relève beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur notre vision de Dieu. La terre promise n'est pas bien immobilier, mais l'état de notre âme. Comme Abraham, on nous promet des choses merveilleuses si nous abandonnons nos anciennes habitudes. On nous promet l'intimité avec Dieu, la vie sans fin et la capacité de canaliser la vie de Dieu vers les autres. Demandons donc au Seigneur de nous guérir des habitudes qui nous séparent de lui maintenant et à jamais. Et Dieu, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.